N'ajoute jamais ce joueur en ami sur Roblox et plus particulièrement sur Brookhaven qui peut t'envoyer des demandes d'amis comme tu le vois actuellement à l'écran. Et ce joueur c'est nul autre que le Grinch qui est actuellement sur Roblox et qu'il ne faut surtout jamais demander en ami. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire dès maintenant c'est que je vais directement l'ajouter en ami et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras. Alors abonne-toi si tu veux avoir plein de Robux. Donc franchement à ta place je m'abonnerai. Et j'ai eu un abonné qui m'a envoyé ce message qui disait: n'ajoute jamais le Grinch en ami sur Roblox, il va hacker ton compte si tu veux le faire apparaître dans ton monde Brookhaven. Et qu'il hack ton compte, fait la liste des choses en dessous. Ok, donc apparemment le Grinch peut hacker mon monde Brookhaven, et si je veux le faire apparaître dans mon monde je dois faire la liste des choses juste en dessous. Donc juste en dessous il y a 4 points et je dois faire vraiment gaffe parce qu'il pourrait s'agir d'un kidnappeur derrière le compte. Les gars, le Grinch pourrait nous kidnapper. Et en plus de voler les cadeaux de Noël, il pourrait s'agir d'un kidnappeur derrière le compte. Oula, c'est vraiment effrayant. Donc ce serait un kidnappeur derrière le compte du Grinch, d'accord. Donc ok, on va essayer de réaliser toutes ces missions dans Brookhaven pour pouvoir faire apparaître le Grinch et qu'il nous accepte en ami. Et qu'il apparaisse tout simplement dans notre monde Brookhaven. Et donc le premier des points, c'est écrit 3 fois le mot Grinch dans une partie publique de Brookhaven. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement quitter ma partie à moi. Hop là, on quitte comme ceci. Et je vais devoir du coup lancer une partie publique de Brookhaven RP, ok. Donc j'arrive dans une partie publique de Brookhaven RP. Et je vais devoir marquer: écris 3 fois le mot Grinch sur ta partie publique de Brookhaven. Ok, donc ce qu'on va devoir faire, c'est que je vais devoir écrire 3 fois dans le chat. Hop là, je vais écrire Grinch, Grinch et Grinch. Hop là, j'ai écrit 3 fois Grinch, c'est bon. Une fois que j'ai écrit 3 fois le mot Grinch, quel est le deuxième défi de sa liste? Va sur une partie Brookhaven et fais-toi bannir de 3 maisons. Et écris le mot Grinch a raison à chaque fois que tu es banni. Oh là là les gars, ça veut dire que je vais devoir me faire bannir de 3 maisons. Et à chaque fois, je vais devoir écrire le message Grinch a raison. Ok, donc on va essayer directement de trouver une maison. Et ça tombe bien, là il y a directement une première maison. Ce que je vais faire, ah mince, elle est verrouillée. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais essayer d'aller voler le coffre-fort de cette maison pour me faire bannir. Là, je vais devoir me faire bannir de 3 maisons. Donc il va falloir que je sois très efficace. Donc là, on va aller voler d'abord cette maison. Hop là, je rentre à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire exploser son coffre-fort. Donc là, je prends une bombe. Oula mince, mais elle a enlevé sa maison. Non, c'est pas ça que je voulais moi, je vais me faire bannir. On va directement chercher une prochaine maison. Et juste ici il y a une deuxième maison, celle de Yanis, ok. On va essayer de s'incruster à l'intérieur, c'est nickel. Et maintenant je vais devoir aller voler son coffre-fort avec une bombe. Donc le coffre-fort dans cette maison il me semble se trouve au niveau de là. Voilà, nickel, c'est parfait. On pose la bombe et on explose. Et là je m'enfuis très vite avec l'argent avant que Yanis ne revienne. Donc là c'est plutôt cool, il m'a pas l'air d'être là. Par contre la porte est toujours fermée. Et ah regardez, il est juste là, enfin, je crois que c'est lui. C'est lui, est-ce qu'il va me bannir? Je vais bien lui jeter son argent, comme ça il va me bannir encore plus vite là. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout lui là, il s'est pas rentré dans la maison. Et bon du coup j'ai changé de serveur public pour faire le défi, car sur le premier c'était vraiment trop difficile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une autre maison à aller voler. Celle-là, elle m'a l'air plutôt pas mal. En plus regardez les gars, le gars il a oublié de fermer la porte juste ici, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'incruster dans sa maison. Et bah c'est, en plus c'est une maison très facile à piller. Donc là je vais juste mettre une bombe juste ici et on va aller voler son argent, nickel. Et maintenant j'ai plus qu'à aller devant lui. Et il est juste là. Faut juste qu'il me banne maintenant. Allez, j'ai volé tout ton argent. Et yes, il m'a banni. J'ai déjà une maison sur 3 où je suis banni. Et bon, du coup, juste ici, je viens de trouver une deuxième maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement m'incruster à l'intérieur. Hop là, comme ceci. On va poser un lit juste ici et on va rentrer à l'intérieur de la maison. Hop là, c'est nickel. Bon, maintenant, plus qu'à trouver la personne dans cette maison. Mais bon, je sais pas où elle est. Par contre, je sais où est le coffre-fort. On va tout de suite aller le voler. Hop là, c'est bon, j'ai volé son argent. Et bon, maintenant, faut plus que je trouve la personne là. Mais où est-ce qu'elle est? C'est pas possible, je trouve personne là dans cette maison. Faut que je trouve la personne à qui appartient cette maison. Et ah, regardez, juste devant, il y a quelqu'un. Je crois pas que c'est la personne à qui appartient cette maison, ça. Et ah, regardez, c'est la personne à qui appartient la maison et elle vient de me bannir à l'instant. C'était elle, Leila. On a été banni du coup de la deuxième maison. Maintenant, je dois écrire dans le chat du coup, le Grinch a raison. Ouais, c'est bon, j'ai fait 2 maisons, il en reste plus qu'une. Faut que je trouve une dernière maison, je suis déjà banni de 2 maisons. Celle-ci, j'ai pas été ban, Loévin. C'est parfait. Ce que je vais faire, je vais essayer de m'incruster à l'intérieur. Hop là, comme ceci, la maison est encore fermée. On va poser un lit et on va rentrer avec la technique du lit. Hop là, on rentre, c'est parfait. Et une fois que je me suis incrusté, je dois aller voler son coffre-fort. Donc le coffre-fort dans cette maison, par contre, je sais pas où il est. Il doit être aux alentours d'ici. Souvent, quand il y a le truc de vêtements, c'est que c'est pas loin. Donc c'est soit à travers un mur, soit non, c'est quelque part ailleurs, j'ai l'impression. Ah voilà, c'est juste là, c'est parfait. On pose la bombe et on explose et on part vite avec l'argent. Et il faut retrouver le propriétaire de cette maison. Donc normalement, je crois que c'était la personne. Il y avait une personne juste devant la maison. Ce que je vais
faire, c'est que je vais ressortir et je vais essayer d'aller voir cette personne. Hop là, je suis ressorti et où est-ce qu'elle était la propriétaire de la maison là? C'est pas elle? Ah mais oui, mais j'ai l'impression qu'elle est AFK, attendez. Est-ce que c'est elle, Loévin? Oh non, c'est elle la propriétaire de la maison, mais elle est AFK les gars, c'est embêtant ça. Bon, ce qu'il faut faire du coup, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et juste ici, il y a la maison de quelqu'un d'autre, Papillon 2024. On va essayer d'aller dans sa maison. Et bon, il y a marqué quoi devant? Si je ne suis pas là, veuillez attendre près de mon bureau. D'accord, bah on s'en fiche qu'elle soit pas là. Nous, ce qu'on veut, c'est voler son coffre-fort. Pas besoin qu'elle soit là. Par contre, où est-ce qu'il est le coffre-fort? Il me semble qu'il est en bas dans cette maison. Et ah, juste là, il y a quelqu'un. Je lui demandais si elle peut me ban. Je vais lui dire, tu peux me ban STP. Non, elle est partie. Faut qu'elle me ban. Bon, j'aurais pas dû demander gentiment. J'ai l'impression que ça marche pas trop de demander gentiment. Les gens veulent pas me ban. Et mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre une maison en face, hein? Et elle a enlevé sa maison. Mais non. Ok, juste ici, il y a un appartement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'incruster à l'intérieur. Hop là, comme ceci, c'est parfait. Et là, on va aller voler le coffre-fort de l'appartement. Il me semble il est vers la douche, le coffre-fort, non? Et il est pas du tout là, je me suis totalement trompé. Dans cette maison, où est... Ah oui, il me semble il est pas à travers la salle de bain, peut-être, non? Tout. Je me suis totalement trompé, les gars. Mais attendez, mais où est-ce qu'il est déjà, le coffre-fort, dans cette maison? Il est peut-être à l'étage d'en haut. Ah oui, voilà, il est juste derrière ici, c'est bien ce qui me semblait. Là, on va devoir ouvrir juste ici. Comment on ouvre? On va passer avec un lit, c'est pas grave. Parce que bon, normalement, là, juste en haut, juste ici, il y a le coffre-fort, mais là, je peux pas du tout y accéder. Je sais plus comment on y accède. À moins qu'il fallait pas appuyer sur le livre, il me semble, et avancer là. Non. C'est pas du tout ça. Et bon là j'ai demandé à quelqu'un de me ban. Elle dit pourquoi? Mais non, mais elle veut pas me ban. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voler son coffre-fort. Normalement elle va être obligée de me bannir. Allez hop là, on vole son argent. Et là normalement je vais être banni là. Hop là, on vole l'argent. Et là, allez, y a pas quelqu'un qui veut me bannir ici là? Ah voilà, là j'ai son argent. Je jette carrément son argent dessus là. C'est obligé, elle va me bannir. Et elle dit quoi? Je m'en fiche. Mais quoi? Venir, mais banne-moi! Et elle m'a dit GG pour lui avoir volé son coffre-fort. Les gars, je n'ai jamais vu personne me dire GG quand j'ai volé le coffre-fort. C'est quoi ça? Les gars, c'est pas possible. Elle ne veut pas me ban. Elle met des emojis qui pleurent. Et, oh ouais, c'est bon, je suis banni! J'ai fait la première la deuxième mission, du coup, être banni de 3 maisons et écrire le Grinch a raison à chaque fois que tu es banni, d'accord? Maintenant, il faut que je m'habille en Grinch et que je sois banni d'une autre maison sur Brookhaven. Donc ça, c'est parfait en plus, parce que j'ai déjà des vêtements de Grinch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever mes vêtements actuels. Hop là. Je vais arranger un petit peu ma taille. Donc là, j'augmente ça, je diminue ça. Proportion au maximum et body type, on met aussi au maximum. Et je vais aller m'équiper les vêtements que j'ai achetés récemment. Donc on va s'équiper ça. On va s'équiper ça aussi. Le sourire juste ici. Et on va aller changer la couleur de la peau. Donc hop là, juste ici, on va aller dans teint. Et je vais essayer d'essayer d'une couleur un peu vert comme ça. C'est plutôt pas mal. Et je vais rajouter un petit bonnet de Noël. Comme ça, du coup, je trouve que je suis à peu près habillé en Grinch. Regardez, si je recherche le Grinch, honnêtement, je lui ressemble pas mal, je trouve. Donc c'est parfait, je suis habillé en Grinch. Et maintenant, fais-toi ban d'une autre maison sur Brookhaven. D'accord. Donc maintenant que je suis habillé en Grinch, on va se réinitialiser. Hop là, c'est nickel, je suis en Grinch. Et maintenant, il faut que je sois ban d'une autre maison dans Brookhaven. Donc là, j'ai l'impression que la personne qui avait la maison juste ici, elle est revenue. Ok, plus du tout devant sa maison. Est-ce qu'elle n'est pas à l'intérieur? Non, pas du tout. Bon, moi, je pense, les gars, on va changer de serveur public parce que là, décidément, je suis banni de quasiment toutes les maisons. Donc là, j'ai plus de maison du tout où être banni. Bon, du coup, j'ai changé de serveur public. Et cette fois-ci, il y a beaucoup moins de monde. Remarque, il y a quand même une personne qui a été prendre une maison sur l'île de Brookhaven. Et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut aller me ban. Donc je vais prendre cette voiture. Et juste là-bas, j'ai repéré une maison en haut à gauche là. Donc c'est parfait. Je vais me rendre à cette maison directement. Et par contre, ma voiture est très très lente là. Attendez, faut que j'augmente la vitesse là. Ça va pas aller sinon. Voilà, je suis déjà beaucoup plus rapide. Et je vais aller dans cette maison juste ici. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir m'équiper comme un vrai braqueur. Je vais m'équiper d'un petit lit là pour introduire à travers sa maison, puisque cette fois-ci du coup il faut que je le braque en Grinch. Et attends, mais il a même pas fermé sa maison, mais j'ai même pas besoin d'utiliser ni en fait, mais c'est beaucoup trop simple. Hop là, on va rentrer à l'intérieur. J'ai mes dynamites. Et attendez, mais c'est une youtubeuse, je suis dans la maison d'une youtubeuse les gars. Elle est en train de faire des vidéos juste ici. Bon, c'est parfait, vu qu'elle est en train d'enregistrer sa vidéo, elle ne fait même pas gaffe à ce que je fais. Ça, c'est plutôt cool. Donc je vais juste devoir trouver son coffre-fort. Et où est-ce qu'est le coffre-fort dans cette maison les gars? J'ai jamais fait gaffe en fait. Je sais pas du tout où est le coffre-fort dans cette maison. C'est beaucoup trop embêtant ça. Peut-être en haut là, il y a une espèce de gris. Non, c'est pas là du tout. Où est-ce qu'il peut bien être, les gars, le coffre-fort? Je sais pas du tout. Il serait quand même pas en bas de la maison. Bah non. Mais personne ne met un coffre-fort en bas de la maison. Peut-être à travers le fond vert, il y a un coffre-fort? Non, il y a totalement juste un mur. Il y a rien du tout. Attendez, mais quoi? Où est-ce que je suis censé aller en fait là? Là, il y a un PC, mais c'est pas ça. Et là, il y a encore un ordinateur, mais c'est pas ça non plus. Mais où est-ce que peut être le coffre-fort, les gars? Peut-être dans le plafond là. Il y a l'air d'avoir un plafond où on peut passer à travers un peu. Et oh, attendez, je crois que c'est juste derrière ce mur là. Je vais essayer de m'équiper d'un lit peut-être. Hop là, on va s'équiper d'un lit juste ici. Et je crois que c'est vraiment derrière ce mur là, juste là. Hop là, je pose un lit juste ici. Et ouais, regardez,
C'est nickel, c'était bien juste derrière ce mur. Maintenant, je vais poser une bombe et je vais pouvoir repartir avec l'argent. Et là, on ressort direct, hop là, de ma planque. Ah, mais on pouvait totalement passer à travers le mur depuis tout à l'heure, en fait. J'avais même pas besoin de lit, d'accord. Et oh non, elle m'a trouvé. Mais elle m'a banni, ça c'est plutôt cool. Donc, on a accompli le troisième point. Habite-toi en Grinch et fais-toi ban d'une autre maison sur Brookhaven. Maintenant, je dois faire une maison et bannir quelqu'un avec le personnage du Grinch. Donc, ça c'est parfait. Je vais juste aller devoir me prendre une maison, par exemple, juste ici. Hop là. Je vais me prendre une grande maison. Je vais me prendre, vous savez quoi? Je vais me prendre cette maison-là. Elle est plutôt pas mal. Et bon, je vais juste avoir à bannir quelqu'un de ma maison du coup. Et bon, par contre, je vais en avoir pour un moment parce que faut que quelqu'un vienne dans ma maison pour que je puisse bannir quelqu'un. Et attendez, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est déjà venue dans ma maison. Et c'est parfait, le défi en plus, c'est de bannir quelqu'un de ma maison sur Brookhaven. Oh là, c'est vraiment incroyable. Bah, je suis désolé pour elle, mais c'est banni. Hop là, ça dégage. Le joueur a été banni de la maison. Bon, bah les gars, je crois que j'ai accompli le quatrième point sur les quatre. Et qu'est-ce que ça dit ensuite le défi? Si tu veux que le Grinch te hack, surtout ne fais pas ces choses. Oula mince, j'aurais peut-être dû lire ça avant. Fais attention à toi s'il te demande un ami. Attendez, mais quoi? Et les gars, attendez, mais je crois que le Grinch m'a ajouté en ami puisque je peux maintenant discuter avec lui ou le retirer des amis. Attendez, mais quoi? Mais comment c'est possible? Bon, bah ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai plus qu'à espérer que le Grinch me rejoigne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur mon serveur privé. Comme ça, au moins, le Grinch est pas censé pouvoir me rejoindre. Et bon, c'est parfait, du coup, je suis revenu sur mon serveur privé. J'ai plus qu'à reprendre mon personnage de Snappy. C'est bon, là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir aller me prendre une maison. Pourquoi? Parce que maintenant que le Grinch m'a accepté en ami, et bah, en fait, le truc qui est pour faire apparaître le Grinch, c'est des cadeaux de Noël. Pourquoi? Parce que les gars, je suppose que vous savez, mais le Grinch, il vient totalement voler à chaque fois les cadeaux de Noël. À chaque fois qu'on a des cadeaux de Noël dans notre maison, le Grinch, il vient pour les voler parce que le Grinch, il déteste Noël et veut gâcher Noël à tous les enfants. Donc normalement, si j'ai une maison avec des cadeaux de Noël, il devrait vouloir venir. Donc normalement, est-ce que dans cette maison, j'ai un sapin de Noël avec des cadeaux? Peut-être à l'étage. Non, il n'y en a pas du tout. Ah mince, c'est plutôt embêtant ça. Moi, je vais changer de maison. Ce que je vais faire, je vais prendre une maison où je suis sûr qu'il y a des cadeaux de Noël. Celle-ci devrait y en avoir. Donc on va attendre qu'elle se génère. Et ah oui, mais mince, les gars, je viens de réaliser un truc. Noël s'est passé, le Grinch va pas vouloir venir. Bah si je veux le faire apparaître, il n'y a pas 10 000 solutions. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les props et je vais mettre un faux sapin de Noël. Hop là, on met un sapin et on va aussi mettre au pied du sapin du coup des cadeaux. Donc là, je vais mettre un cadeau et on va mettre plein de cadeaux du coup. Hop là, je mets le sapin et juste en bas du sapin de Noël, on met plein de cadeaux comme ceci. Et bon, normalement là, c'est bon. Je pense qu'il y a assez de cadeaux autour du sapin de Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me cacher discrètement à l'étage. Donc, je vais aller me cacher par exemple juste ici. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais hop là directement verrouiller la maison et observer grâce aux caméras de surveillance pour voir est-ce que quelqu'un s'introduit dans ma maison ou non. Donc là pour l'instant mes cadeaux sont juste là-bas. Regardez avec au niveau du sapin. Et juste en bas, il y a mes cadeaux. Et donc là, j'ai des caméras qui surveillent toute la maison. Regardez, même moi, on me voit avec les caméras de surveillance. Et je peux voir totalement toute ma maison. Et là, bah, c'est parfait pour l'instant. Il n'y a pas encore le Grinch. Ça me rassure quand même. Parce qu'après, le serveur est quand même censé être privé. Donc le Grinch n'est quand même pas censé pouvoir s'introduire dans mon serveur comme ça. En tout cas, ça me rassure déjà beaucoup plus. Parce que pour l'instant, le Grinch, il a pas l'air de trop vouloir venir. Et attendez, mais les gars, pourquoi j'entends qu'il y a le Grinch? Les gars, devant ma maison, qu'est-ce qui vient de passer là? Il y a quelque chose qui vient de passer devant ma maison là, attendez. C'est pas normal. Ok, donc il n'y a rien à l'intérieur de ma maison pour l'instant. Je suis toujours là. Et est-ce que devant ma maison, j'ai une caméra? Là, j'ai une caméra devant l'entrée de ma maison. Ok, donc normalement, tant que je suis ici, le Grinch ne devrait pas pouvoir aller prendre mes cadeaux, en tout cas de Noël. Ça, c'est plutôt cool. Et bon, bah, il a réussi à rentrer dans ma maison. Ah, attendez, mais quoi? Les gars, comment le Grinch a réussi à rentrer dans ma maison? Hein? Attends, mais faut vite que j'aille le chercher là. C'est hors de question que je laisse voler mes cadeaux. Après, il va partir avec mes cadeaux et je vais jamais le retrouver. Donc, je me dépêche d'aller le chercher là. Vite, vite, vite. Il doit être en bas de la maison. Et, mais attends, mais il y a plus du tout le sapin et les cadeaux là. Ils ont totalement disparu, les gars. Le Grinch a totalement pris mon sapin et mes cadeaux. Et où est-ce qu'il est parti? Les gars, il est juste là en train de courir et de s'enfuir. Attendez, hop là, faut vite que j'aille l'arrêter là. Mince, je me suis enfermé dans la maison. Et, mais attendez, le Grinch a totalement disparu, les gars. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et non, les gars, je peux plus du tout bouger. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus du tout bouger, les gars. Le Grinch m'a totalement piraté. Et oh non, j'ai été banni, les gars. Oh là là, le Grinch a réussi à me faire encore bannir de Brookhaven, je sais pas comment il a fait. Moi les gars, du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai ton ami, ceux qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.